Bertrand Cousin, bonsoir et oui, bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue, où nous avons le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la parution de votre livre « Un énarque dans la choucroute » publié aux éditions du Cherche Midi. Alors un titre assez humoristique pour un livre qui l'est, on peut le dire. Hein. Alors est-ce que c'est un livre que vous avez écrit parce qu'il correspondait à un besoin d'écriture que vous aviez, ou tout simplement parce que vous aviez un désir de raconter comment vous avez traversé les épreuves? C'est venu d'un de mes filleuls qui m'a dit « Écoute, bon, tu as déjà écrit des bouquins, mais raconte un peu ce qui t'est arrivé. » Parce que dans ton jeune temps, tu as eu un certain nombre de péripéties assez incroyables. Raconte-nous ça. Donc j'ai pris ma plume, j'ai évoqué les souvenirs, je suis allé voir quelques archives et j'ai écrit ce livre assez vite. Et j'ai toujours voulu, et c'est mon cas, mettre de l'humour et essayer de dédramatiser certains événements de ma vie et prendre un peu de recul et d'en tirer quelques enseignements modestes pour mes enfants et la jeune génération. Alors ce livre est écrit dans un style donc très singulier, basé sur des anecdotes, des épisodes comme vous les appelez. Comment s'est fait le choix de ces épisodes justement et ce retour en arrière de ce travail de mémoire ? De toute façon, j'ai décidé de limiter dans le temps, je veux dire, parce que ma vie ne s'est pas arrêtée à la dissolution de l'Assemblée par M. Mitterrand en 86. Hein. Nous sommes quand même 23 ans après, donc il m'est quand même arrivé d'autres épisodes, parce que ma vie est ainsi faite que je retombe toujours dans la choucroute pour y pédaler et en sortir, avant d'y retomber à nouveau. Et donc, j'ai noté les épisodes, vous savez, il y a une définition qui dit le héros est celui à qui il arrive quelque chose. Alors je ne suis pas du tout un héros, mais il m'est toujours arrivé des trucs. Et donc je raconte ces histoires, que ce soit un naufrage sur près d'Argenton, charge du buffle en Centrafrique, les gaz toxiques au Sahara, comme lieutenant d'infanterie de marine faisant mon service militaire et connaissant le sable, on m'a envoyé un stand d'expérimentation de gaz toxique. Je me retrouve président des élèves de l'ENA en mai 68. Je fais mon stage ENA en Guadeloupe, émeute avec 80 morts. Voilà. Et donc, j'ai raconté tous ces épisodes. Et puis, bon, c'est un peu jubilatoire, une fois qu'on a échappé au danger, qu'on a vécu ça, de les raconter. Alors c'est vrai que dans tous ces épisodes, on a un petit peu l'impression que tout vous tombe dessus, un petit peu en cascade parfois même, justement. Est-ce que c'est un petit peu le message de ce livre, c'est que malgré les difficultés que vous avez rencontrées, bien vous êtes toujours là à persévérer et à continuer? Oui, ça c'est la leçon que j'ai tirée. C'est pas évident au départ, vous savez, il faut avoir été testé pour se découvrir vraiment. Et puis les épreuves, je sais pas qui disait, l'homme est le fils de l'obstacle. C'est-à-dire que c'est là où on se mesure, qu'on peut tester ses capacités et surtout garder de l'humour. Il ne faut pas, même quand on commence, ce qui a été mon cas, avoir un certain pouvoir, une certaine notoriété, savoir que tout ça est fragile et que tout retombe et qu'il faut garder une distance par rapport à soi-même. Et donc la vertu du sourire, de l'humour et du rire est capitale dans toute vie. On voit également dans ce livre que vous avez rencontré beaucoup de personnes, que ce soit pendant vos études à Sciences Po ou à l'ENA ou au cours de votre vie professionnelle. Beaucoup de gens qui ont rapidement retourné leur veste, changé d'opinion selon les situations et selon ce qui leur sied le mieux. C'est quelque chose qui vous a beaucoup déçu ? Oui, moi j'aime pas les gens qui godillent en fonction en fonction des opportunités, s'il vous plaît. Il faut pas être braqué. Je veux dire, vous avez une trajectoire. Cette trajectoire est quelque chose qui est inscrit en vous-même pour essayer de développer ses propres capacités. Hein, c'est les talents dont parle la Bible. Alors, certes, il faut louvoyer parfois, il faut contourner l'obstacle, mais il faut garder toujours l'idée de sa trajectoire. Alors, en revanche, il y en a d'autres qui vont carrément à gauche, carrément à droite, qui font des apnées ou qui montent en l'air pour s'adapter à la situation. Donc pour moi, ce ne sont pas des gens dignes d'intérêt. Ce sont des opportunistes. Alors vous êtes vous-même breton, originaire de Brest. Vous êtes revenu également à Brest pour exercer une profession.
Est-ce que vous pensez que d'être breton et d'arriver à la capitale, quelque part, ça protège justement de tous ces retournements, ces changements d'opinion? Ah non, vous savez, quand on arrive... moi j'ai commencé Sciences Po, j'avais entre 17 et 18 ans, donc on arrive à Paris à cette époque-là, hein, c'était 9 heures de train, dans une chambre de bonne, sans eau courante, je vais dire, restaurant universitaire. Bon, moi je suis issu de la moyenne bourgeoisie brestoise, où j'avais mon confort, etc. Et je veux dire, là aussi, il faut tenir le coup, hein, il faut serrer les dents. Alors ensuite, bon, faites tout le cursus, donc Sciences Po, droit, ENA, bon, à ce moment, ensuite on est armé. Mais le démarrage Brest-Paris dans ces années-là, hein, en 58, c'était une petite aventure. Et peu de mes copains du lycée ici, j'en ai pratiquement pas retrouvé à Paris. Hein. Tous allaient surtout à la fac de Rennes, à l'université de Rennes.